5. L'Afrique du Sud avait très bien commencé son année 2017 avec 5 victoires consécutives, contre la France, 3 fois, et l'Argentine, 2 fois. Depuis, les Bocs n'ont plus gagné, signant 2 nuls contre l'Australie et 3 défaites, contre la Nouvelle-Zélande, 2 fois, et l'Irlande. 8. Cela fait 8 ans, presque jour pour jour, le 13 novembre 2009, que la France n'a pas battu l'Afrique du Sud. Les Bleus restent sur 5 défaites contre les Bocs, dont 4 en Afrique du Sud. Sur ces 5 dernières victoires sud-africaines, l'écart moyen est de 20,4 points. 13 et 15, sur les 23 joueurs français présents sur la feuille de match ce samedi, 13 étaient de la tournée ratée en Afrique du Sud cet été. De l'autre côté, 15 des 23 Springboks, qui joueront samedi soir, étaient également de la série de victoires sud-africaines. À noter toutefois que leur capitaine Warren Hickley, blessé à l'aine, ne participe pas à la tournée d'automne. Vidéo, Nové, les Sud-Africains nous ont châtiés en juin dernier, 1h06. 42. Depuis la première confrontation entre les deux équipes, le 11 janvier 1913 au stade Chaban-Delmas, les Bleus et les Springboks se sont affrontés 42 fois. Le bilan est assez largement à l'avantage des Sud-Africains. Ces derniers l'ont emporté 25 fois, pour 11 défaites et 6 nuls. 34. Comme le nombre de kilos d'écart entre le paquet d'avant sud-africain, 945 kilos, et le 8 de devant français, 901 kilos. Chez les Springboks, un seul avant fait moins de 115 kilos, il s'agit de Siya Kolisi, 106 kilos. Une différence de poids qu'il faudra compenser avec un engagement de tous les instants. 35. Le nombre de sélections cumulées des deux charnières. Ross Cronje, 7 sélections, André Pollard, 23, Antoine Dupont, 4, et Anthony Bello, 1, ne sont pas très expérimentés au niveau international. Une statistique qui pourrait compter dans ce test match entre deux nations, qui n'ont pas gagné depuis un moment, et n'ont plus trop le droit à l'erreur. 20. L'écart lors de la plus large victoire française contre l'Afrique du Sud, 30-10, le 9 novembre 2002 au Vélodrome. 42. L'écart lors de la plus large victoire sud-africaine contre la France, 52-10, le 22 novembre 1997.